Boye Imalamu na GKAM Télévision, fidèles abonnés, chers internautes, Samba Olonga Zana et Sengwa Kweba Bino, Ebele na Bolandi, émission na Bino Aba éclairé de vous Congolais. Merci d'avoir choisi la bonne fréquence qui est cette fréquence des éclairés. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre confiance. Justice Yanzambe, Motomo Kote, Aishapaka, na contrôle Nango. Wana ezali rituel ya émission oyo ko rappeler na ba commun des mortels que justice ya Nzambe ezalaka ata biso to côté lio pendant que vous allez coupable yeba soki misu na biso arrivé ko mona te ce qui lo ebombami sima ya ba acte yo pozaki yeba yango ke Nzambe azali ko mona yo misu ya Nzambe mona ka moto nyonso oyo sala ki ezala na nkuku ezala na mpoisa. Si ce n'est pas sur cette terre, sache-le bien que même dans l'au-delà, tu finiras par payer le prix de tes actes. Keba, bande comme soupe, bazali ko vivre conséquence, yaba masumu, yaba tata na bango, oyo ba salaka na ba génération, et le kakala, ou punition, et l'andaka ba génération, et belé. Yoza ko vivre, oye ba passe, oza ko mon ate, mais papa, zalaka mouyibi. Yango umoni batebele bazali komona pasi. Tala si mazonga moto, eza tarte po yo o changer. Actualité na biso ya mokola lelo ya yamboto kobanda nango ezali ba obsek ya chérubin okende. En tout cas, mwana mboka chérubin okende o asilaki kokufa na ba raison oyo ezali selon justice ezali suicide ye moko a mibomaki. Selon ba mususu ezalaki assassinat lelo nde ezalaki mokolo ya cérémonie au raison funèbre naye azalaki ebembe ezalaki exposé na cinquantenaire et puis baye nango na cathédrale ya bayi catholique une paye wapi misa ekambamaki na tata cardinal Fridolin Ambongo même aloba ebimaki kuna en tout cas pour na certains ezali penda expression ya opposition vis-à-vis ya pouvoir ya Félix Tshisekedi. Et Belépe, bazali ko banza lokola tata cardinal ke mai justice ya lobaki yango pende zalaki bosolote. En tout cas pona bango ba jui pe maloba oyo tata mokonzi ekolo Félix Tshisekedi alobaki justice ya Congo ezali maladi. Cardinal Fridolin Ambongo azanga kite pe kozongela pona kolobela pe lisusu likambo etali leve ya moratoire sur la peine de mort. En tout cas ezalaki tribune choisi pona ye Otalisa nyonso oyé pazaki nango na kati ya libumu. Tokolobelango na kati ya émission oyo. Tokolobela pe Modero Simba oyo akangamaki bakangaki pona nini audio moko eza ko circuler sur le net. Ezali soi-disant audio kouta epai na ye oyé azali wa incriminé petit frère ya président de la République soi-disant qu'il serait impliqué na dossier ya liwa ya chérubin okende. Bo sanite ke justice na biso alobaki moto nyonso oyo akokenda l'encontre ya makambo e lobami en tout cas bako kangaye po atalisa ba preuve oyo azali ko détenir et ko aider justice o ete ba mema makambo na sens ya kolobela yango. Toujours na actualité na biso tokolobela Canada, Royaume-Uni, Norvège, Suisse, bango bazali ko s'opposer na peine de mort oyo ezongi d'activité en République démocratique du Congo balobi bazali ko boyango na circonstances nyonso. Nous estimons que l'application de la peine de mort porte atteinte à la dignité humaine. Okoyoka wa déclaration ya ba pays oyo na uti kotanga wa. En tout cas, peine de mort oyo euti kozonga na activité selon le gouvernement de la République démocratique du Congo, ils allaient continuer pour bimisa ba opposition et belé toujours à l'extérieur du pays, ba pays wana bazali ko s'opposer. Mais est-ce qu'ils ont les droits lelo oyo ya koyebisa République démocratique du Congo que il faut to bannir peine de mort alors que ba pays mususu ebelé bazali ko continuer ko sale la peine de mort pour na ko stopper ba crime. Nous allons revenir aussi là-dessus ya moto subisa na libération ya journaliste Stani Bujakera
Oyo azala ki emprisonné il y a de cela plus de 6 mois, justice est condamné qui est payé na 6 mois kaka na amende il y a $400. Est-ce que libération na ye ezali résultat il y a ba pression politique, il y a États-Unis, il y a ba européens? Est-ce que Stanley Bujakira azali pe journaliste sur lesquels ba congolais ba koki ko compter pour na kozwa ba information ya malonga? Pourquoi cette mobilisation mondiale autour d'un journaliste alors que c'est difficile Congo et obtenir une telle mobilisation pour une affaire à l'Est de la République démocratique du Congo? Les réponses sont dans cette émission. Je vous souhaite encore une fois de plus les bienvenus dans cette émission de Debout Congolais, ceux qui sont en train de se faire. Pour rejoindre la plateforme, vous pouvez vous abonner pour vous abonner à l'actualité. Wana yo s'abonner ko bosa na ko like te soko like te za lisumu donc muto a like kayé pena muto comprendre malamu qu'il faut encourager musala o tozali ko sala wana po like ko bosa na ko sala commentaire tp ko partager actualité oyo na voisin yé pas ala éclairer lokola yo en attendant bisonyon so far dcp wazalendo na motema. Na zongi na actualité telle qu'annoncé à la une ya ba information na biso esengeli to ba ete ndeko chérubin okende a to ali koloba cherke na ezali ko se diriger et pa wapi ya okende ko pema na kimia famille na yeba senga ki ete ba officiel mutu moko ta ya na cassette ya ba parti politique cassette ya ba homme politique wana bango ba kosala ko bise ki ndeko na bango esengeli moto nyonso aya à titre individuel ba boyi ba cérémonie nyonso ekolata casquette y politique mais lelo nde ezalaki penda mokolo oyo ba ebongisa maki pona kokende ko cham nzoto na ye donc osala cérémonie nyonso basalelaka mowei yambo ete bakende kokunda ye en tout cas biso nyonso pe ba congolais tozali ko regretter liwa ya ndeko Chérubin okende oyo ba circonstance ya liwa na ye etikali penda kozala mingi clarté malgré véridique ebimi na justice vraiment liwa Chérubin okende tiki ba soupçon mingi de tous les côtés ba congolais ya gauche bazali ko banza ke ya oya droite nde basali yango oya droite bazali ko banza peke ya gauche nde basali yango ba yi parti ensemble bazu yango ba bwaki yango na mutu ya pouvoir ba lobi pouvoir nde ebomi tope eboma Chérubin okende en tout cas ba tebele pe bazana Congo ba mususu pouvoir ou indépendant Bazali Kobanza qui avait des problèmes avec les cadres de son parti ensemble Oyo Basishon Ezali na kati en tout cas ils ont tendance moko kuna Bazali Kobundana donc le parti ensemble est beaucoup plus katangé que d'autres tribus de la République démocratique du Congo en tout cas les Kasaïens sont très mal vus na kati ya parti ensemble okoso Ezali mingi Kobundana kuna donc Sokoza Kasaïen baza ko landa o de près Jacques Ndala et parmi aussi bato ba denonsa ki le kabouana que donc kuna makambu ndenge za ko le kakuna moi de simba zo kanisa ke za parti ya bango donc bazo mona ba mususu lokola ba traître. Ça ce n'était qu'une parenthèse mais makambu le ki ezali important to kopi ko lobela na kati awa premièrement tout à tout landa. En tout cas, Oumeli Oyo et Salemaki à l'occasion, il y a oraison funèbre, il y a Chérubin Okende. Suivez ces propos du cardinal Fridolin Ambongo Simatozoni. Chère madame, chère Okende, chers enfants Okende, votre peine, votre souffrance est sans mesure. Et vos questions de mes réponses sont mon cœur. Depuis la tragédie, dans la nuit du 13 juillet, votre vie a transpiré. Vous vous demandez, vous vous posez des questions. Comment en sommes-nous arrivés là? Et tant d'autres questions encore, je vous continuerai à vous poser.
te réserve par un ancien ministre et un député national, car bienvenue au sein des citoyens. Voilà. En tout cas, Moto a yebi tata cardinal depuis accession Félix Tshisekedi na pouvoir a yebi qui les a surpris et eux. Comme d'habitude, les homélies du cardinal Tata Fridolin Ambongo se transforment en matinée politique. Donc, ceux qui ont okay, assisté, soit na culte, oyo Tata cardinal, donc vous avez bien gagné, Tata cardinal na biso ba congolais, mais cardinal et Église catholique. Ceux qui ont okay, kuna, en tout cas, ils ont la tribune na ye. On a coupé sa opinion na ye politique, on a coupé sa makanisi na ye. Ce que vous avez à avis, il y a Tata cardinal, en tout cas, vous avez eu la circonstance, moko songolo pakala oya bimaka pona kote ya matea na ye et bongo naka, et komaka matinée, topé soirée politique. Mais na cadre ya makambo etali, Chérubin Okende, il a quelque part parlé le même langage avec le président de la République qui pense à haute voix, il a dit clairement, on a moyen de contredire Tata cardinal les alités. Il est mon copain président de la République, a déploré qui vraiment fonctionnement et justice n'a mis au oyo. Les alités kotambola na maladie. Yango yepe cardinal Fridolin Ambongo a monique justice ya Congo solo et a maladie. Ma conclusion au justice n'a mis au épaissi. Ye azali ko remettre ango en cause. Alobi ezali ndenge wana te. Ezali suicide te. Donc a pesipe ba raison na ye ezali penda ko talisa ke moto wana akoko se suicide te. Donc la justice nous déçoit, c'est une justice malade. Là il s'appuie sur les propos ya tata mokonzi ekolo, mais asuki wana te. Batebele toza komitu na avenir ya Église catholique na République démocratique du Congo. Ekotika la nangoka ka Église ya ba évêque na ba archidiocèse, batu na batu bakoma kosala makambo na ndenge na bango, ou bien ezali na titre honorifique wana pe ezali important en tant que mokambi tata cardinal pour être ala musaka kondima ya ba catholique na République démocratique du Congo. En tout cas, les analyses que nous faisons de l'attitude du cardinal Fridolin Ambongo prouve que l'Église catholique de la République démocratique du Congo, sous les cardinalats de Fridolin Ambongo, est une déception pour le peuple congolais. Ils en ont battu, parce qu'ils ont été catholiques, mais tant que total l'Église catholique, tout s'inspira en quelque chose de bon. Mais depuis cardinal Fridolin Ambongo, alias diarrhée verbale, a joui. Et bon gawana. Tu vois que ba cardinal et belé ba leka na mboka na biso bazapé na ba makambo belé ma be ba sala. Bazaka père moko biloba loba mezala ka tango yu sauté. Na loba kango na répéta ka ke cardinal Laurent Mosengo Pasinya asala pe ma be mingi na mboka oyo.
bon africain to jijaka mingi ba wate mais to za ko lobelango parce que za histoire bana na biso ba ya ko bosa na te soki mboka o ezwa pe trajectoire ya mabe église catholique pe za responsable sur le plan politique ya trajectoire ya mabe mboka ya ka ko zwa ti afdele ya ka ko kota na mboka na biso. Troisième voie où il y a du misaka. Ti kota zo ya ko kufela pona akomi ko kende ko sukela na kinga kati pa mama Olive Lembe na Joseph Kabila. Trahison ezalaki na kati. Mais bazalaki quand même ko mesurer maloba na bango. Quand il veut parler, vous sentez que c'est quelqu'un qui a toute une philosophie en lui. Azali na démarche moko catholique, c'est-à-dire ba propos na ye azali ko vendre sango. Toza comme on a même pas démarche cartésienne oyo mutoyo akomaka sango na catholique basango baza différent na ba pasteur na biso ba pasteur na biso ata baza ko sala théologie na kisango formation bazwaka ozomona que même si c'est un méchant, c'est un mauvais, il est dans une mauvaise démarche, mais forme oyo ya kopé ça akoluka ko sango na logique. Il y a pas de logique dans les propos du cardinal Ambon. Yo ye na misa oyoyo ya rekem bato bazali o se recueillir en mémoire ya mouei o transformer o melina yo na activité moko politique au longwe na makambo ya sheribe okende biso toza convaincu que ce que la justice a dit ne peut pas être vrai, mais faute de preuves toza na ngote toko ko continuer ko zala biloba lobate. De ce côté là la justice reste ce qu'elle est. Et cette même justice là mauvaise, elle n'est pas la première dans le monde entier à commettre makambo et tout ça au monde. Bizo tu yebi que justice na bizo eza malade. Bato yo yo kendaki ko féliciter cardinal Fridolin Ambongo akendaki ko féliciter Joseph Kabila na Olive Lembe mukola mona ki kingakati mukola libozo. Basimbi si nyoka na maboko atali amoni banyama, amoni avion ba transforma na restaurant. Atali plein wana nyonso ndenge za transformer na mbongo ya ba contribuable congolais alobi na yeba kite ke musala ya malamu boetika la kosalema awawa. En tout cas famille ezana nous très jeune, je suis sûr qu'il faut baya ko ba continuer ko servir Congo, ba servir mingi. Pourquoi biftek a visiter sika moni penda donc mbongo ko bato penda mbongo ngona yoka kangona musika. En retour, il faut maloba kitoko pona ko justifier ba miette azwaki. Mais c'est cette famille-là qui est aujourd'hui à la base. Il y a justice ya mabe, oh, tozo mona na mboka na biso. Nos juges, à la base, n'ont pas appris la bonne démarche. Ce qui le lot tozo condamné justice na biso, toko tala onka sous règne ya Félix Tshisekedi. Il faut total la orientation à mabe, justice na biso ezwi depuis Mobutu, s'il faut commencer là. Ti to ya kokoma na Kabila nde sika kutu nde enterrement penda ya justice et salami. Parce que là, avec l'infiltration, avec tout, on ne sait pas. Le banditisme d'État, to longwe na dictature ya Mobutu, to koti na banditisme étatique. Les bandits d'État ont fait de leur manière. Nos juges, na ba habitude, na bango, ba yebi que ça réussisse dans l'injustice. Ils n'ont pas pour culture de dire la justice. La justice du Congo, elle est pour les plus forts. Ozana makasi na yo ata sangono eke yima bendenge nini suka suko kubima na wana prison po mbongo eko tambola. Ba yebi sirikui nini batambu sila kabambongo na bango. C'est ce que nous dénonçons tous. Mais cela ne nous empêche pas d'aller fouiner dans le passé, comprendre qui sont à la base. Patoussou balingi batanga komba Kabila te. Ye Tshisekedi, elo nini akoko sala, pourquoi banda pendant 5 ans il n'a pas fait. La justice n'est pas Tshisekedi. La justice a une histoire. Comment elle a fonctionné dans le passé? Est-ce qu'en 5 ans, aujourd'hui, tout le monde a Tshisekedi a souffrir? Balongoli oyo batie oyo, ndenge moko, balongoli oyo batie oyo, enfin. À qui faire confiance? Batia nani, oya koyo ki sabiso sonite. Tumoni balongoli bakalubi awa, balubi note a komaki na suka na ebazu batie ba mousousu. Oyo pekaka, aza pekaka mabe. Moi, je n'ai pas de preuves, hein? Mettons entre guillemets. Bien que Moussala naye quand même les alliés différents pour la cour constitutionnelle, il y a Mouta cour constitutionnelle, Moussala naye est différent par rapport à Yabato Moussouba Lekaki. Mais tout le monde a que justice, il y a Congo, ils ont continué à boiter.
il faut ba mesure ya minene ezwama réforme en justice, mais justice est cause à la réformer te sans battre. L'homme congolais aujourd'hui qui aspire à la politique, à la gestion de la chose publique est foncièrement mauvais. Philosophie ni nous sommes mauvais, tout bas côté n'a pas institution en boucle, bas qu'un déco servir n'a pas ma service à l'État. Et ça philosophie, y amour personnel, bas intérêt égoïste. C'est à tous les niveaux, il n'y a pas que la justice, même à l'Église. On a nini, yé tata cardinal a coquille qu'au souligner tel et comme l'Église congolaise, où est-ce qu'on aide le peuple congolais. Église ya Congo, ils sont malades. Ils ont une église catholique, ils ont église de Nyonso. Si les Congolais aujourd'hui sont malades de mentalité, est-ce que l'église fait son travail? Yo ko tchaka ka musapina misu ya baninga, ya yo misu na yo, umona o ezo zongi la yote. Et comme si cela ne suffisait pas, le cardinal s'évade encore. A zongi na le kambo a peine de mort, ou a sa s'exprima ki, na bisika ba interview a ki ye. Pourquoi? Parce que les homélies sont une occasion pour lui. La peine de mort, nous l'avons dit dans les émissions passées, chaque fois qu'il y a une personnalité au Congo qui parle, il faut chercher à savoir c'est lui qui parle ou il y a des gens derrière lui qui parlent. Parce que dans le bateau, il y a un Congo, en échange de sa position. Bazandeka pour utiliser position na ye pour ba pesa ye maloba. Fridolin Ambongo continue à cracher sur nos morts, continue à cracher sur l'existence, la vie des Congolais à l'est du Congo. Est-ce que vous pouvez, en tant que cardinal aujourd'hui, vous déplacer, aller à Kishishe, aller à Masisi, aller dans les Rutshuru, aller à Goma, kosa la omeli oyo sali lelo à l'occasion ya liwa ya Cherubin Okende. Koye bisabande kona biso baza na est que peine de mort ezali mabe. Ezali juste pour un règlement de compte. Mais c'est sans honte ni vergogne. Comment un cardinal ne peut pas peser ses mots? Il y a des moments où la parole est utile, mais il y a des moments où le silence s'impose. C'est vrai, parmi nous, il y a ceux qui, par moralité, trouvent que la peine de mort n'est pas valable. Elle n'est pas une bonne démarche. Il y a beaucoup de gens parmi nous silencieux qui trouvent que la peine de mort n'est pas vocation pour ces pays, n'est pas une vocation pour ces pays condamnés déjà à mort. Mais ils se taisent par rapport à la dimensité des crimes. Ma crime est vraiment, il n'y a pas si mingi tellement que même les médias ne savent pas comment faire passer les messages des crimes qui se passent en République démocratique du Congo. C'est que wana yona moralité na yo ko tia wana na sac, ou vandi ata silencieux. Des fois, on est obligé de s'abstenir, même si on a un argument contraire. Parce que tant toujours ta la makambo, bazo sa la bande qu'on a vu ça, par nos propres frères. Ok, yo rejoindre le mouvement rebelle pour ba egorja ka bande qu'on a yo. Nanga aujourd'hui, parce que le cardinal, lui, quand il parle, on ne sait pas, parce que les paroles prêtées, lui parle au nom de son camp. Il est aujourd'hui le représentant de l'opposition congolaise qui est inexistante. L'opposition congolaise n'existe pas. Ils doivent se retrouver derrière le cardinal. Wana baye, naba bakabiliste, naba nani, ba monitoye, toke nekoyo kambonga lobila bango. C'est parce que l'opposition congolaise n'existe pas. Il ne se retrouve pas dans le peuple. Normalement, l'opposition congolaise devait réussir à convaincre le peuple congolais autour des idées. Mais comme Baza capable de faire ça, l'angoté, Carapace est comme une Ambongo. Ambongo, le gola, il y a que Maloba et Kubanda Kobimanango, R. Nyonso, il y a une charge à l'opposition. Mais après, quand il va parler, ça va changer quoi? Les Congolais aujourd'hui, qu'ils ne comprennent ou pas, trouve que la peine de mort est allée valable. Vie, hein? Taille, y a crime. Grandeur, y a ba crime. Et ça, pour pousser, bah, tout le monde va accepter sans réfléchir le cambou ya peine de mort. Peut-être que demain, qui sait si nous allons abolir. Après, biso moko mente réflexion. Tout le monde dit que non, société na biso, et ça, société y a ba tout le monde paisible. Ce qui était passé, c'est qui passager. Laissons la responsabilité à nos fils et nos filles.
Obakoya lobby, bah on va réfléchir autrement. Mais nous, par rapport aux réalités, nous pensons que la peine de mort, en tout cas, doit être d'application, pour surtout pour les traîtres au sein de l'armée. Des gens trahissent, des jeunes gens qui vont au front avec motivation, que nous combattons pour notre pays, sont trahis, ils meurent sur le champ de bataille. Pas par erreur, mais ils meurent sciemment à cause de la traîtrise. Pas toi, Natoba, t'es la bango. Non, t'es, le rôle à Balobis ici, ça congo, ils ont malade, et condamner des gens à mort, c'est assassiner des gens, c'est une occasion. Justification, nous sommes à paix si pour nous ressusciter peine de mort. Donc, au long de la peine de mort, dans le moratoire, et l'obéli nango, bango est le côté. C'est parce que le laboratoire qui fait parler Cardinal Fridolin Ambongo est en Occident, en Europe. C'est là où se trouvent les laboratoires, là où se trouvent les maîtres à penser des propos de Cardinal Fridolin Ambongo. Aujourd'hui, l'opposition au Congo n'existe pas. L'opposition, c'est l'Union européenne. L'opposition, c'est les Occidentaux qui trouvent qu'avec Félix Tshisekedi, le Congo va se libérer. Et le reste, ils en ont encore battu pour manipuler. On va utiliser la bouche des gens par rapport à leur position pour Bazoua Kamalobawana. On sent l'Union européenne dans Fridolin Ambongo. On sent une opposition qui n'est pas congolaise dans Fridolin Ambongo. Toujours en parlant de l'actualité, Tozali, qu'on continue, j'enrichirai avec la déclaration Oyoyo et Salami Awa na ba pays, le rôle à Canada. Le Canada, le Royaume-Uni, la Norvège, la Suisse, basali déclaration conjointe na bango, des ambassades du Canada, de la Norvège, du Royaume-Uni et de la Suisse. C'est le 20 mars 2024. Les ambassades du Canada, de la Norvège, du Royaume-Uni et de la Suisse sont profondément préoccupées par la levée du moratoire sur la peine de mort en RDC. En vertu de ces moratoires, personne n'a été exécuté en RDC depuis 2003. Par principe, nous sommes opposés à la peine de mort en toutes circonstances. Nous estimons que l'application de la peine de mort porte atteinte à la dignité humaine, qu'il n'existe aucune preuve concluante de sa valeur dissuasive et que toute erreur judiciaire entraînant son application est irréversible et irréparable. Plus de 2/3 des pays du monde ont aboli la peine de mort en droit ou en pratique. Nous travaillons avec nos partenaires internationaux pour soutenir ce recul mondial de l'application de la peine de mort. Nous espérons que la RDC choisira de se joindre à cet effort. Quand on regarde les crimes commis par les États-Unis d'Amérique sur base de l'application de la peine de mort et que l'Europe n'a jamais interpellé les États-Unis, plusieurs États des États-Unis d'Amérique alliés, il y a des pays européens, il y a des pays où ils ont cité AO, ils ont continué à appliquer peine de mort. Des fois, les Noirs américains sont victimes. Parmi les exécutés, Ming dans les États-Unis, la peine de mort. Ming, des fois, à défaut, il y a même des jugements où on les voit à titre posthume, on va constater que les États-Unis d'Amérique. Parce que c'est leur loi, ils allient dengue bango ba moneli makamuna bango. Et c'est le pays le plus criminel parce que bango kuna baza kota la ta moralité wanati. Ce qui une fois bango ba conclure, dengue ba conclure, etali bango. Mais chez nous, nous parlons de traîtrise. Chez nous, nous parlons de massacre odieux, de nos frères qui s'associent aux ennemis pour faire tuer, massacrer leurs frères. Vous nous amenez la moralité dont il n'y a pas de mesure. Les chiens à bois, la caravane passe tout de suite au lobby qui a votre zone et l'angle de sous-souté. Chers Congolais, nous pensons qu'il est temps aussi, nous Congolais, de répondre. Parce que quand on ne répond pas, eux pensent que ça a de l'effet. Ils ont ça la moussala, mais ils ont tout le lobby de côté. Mais tout ça est l'angle de sous-souté référendum. Pour tout le monde qui est Congolais, ils sont d'accord qu'il faut tuer ceux qui trahissent le pays. Qui se sent touché connaît l'affaire. Nous savons que
bato bazali ko télé la peine de mort bazali ko télé milango pona ba intérêt na bango qu'il soit congolais ou étranger. Ils s'opposent à la peine de mort, c'est par rapport à leurs intérêts, ce n'est pas par rapport aux intérêts des Congolais. Modero Simba Matondo était arrêté sur base de cet audio. Suivez. Moi, même Bissot et Bazo Bingana Bissot, ils ont été dans ce qu'ils ont fait pour moi. Ils se sont débarrassés. C'est bien, il est obligé au gouvernement. Mais c'est des accords qui comptent, non? Elle est aux organismes, c'est ça les jeux politiques. On a même ici amitié, on a même pas Kabila, tous ensemble. Oh non, oh. Mais bah, tu vas y aller, bah, maintenant, tu fais un. Naïe, il est sur la bande pour se rendre compte. Tu es un souk à ton commis, tu es fiché à ton maïbalouba. Et tout, donc, ok, élection, il y a un mot pour le pays. Nous avons civilisé l'élection Peter Kazak. Nous avons financé Nicolas Kazak. Banque centrale, Bozana Kato. Nous avons Katamakamou, la justice, ministre de la justice à Amélie. Cour consommée à Amélie. Constitution, monsieur le président, puis c'est le seul à garantir. Nous avons salarié. Vous voyez, Nicolas, vous avez un peu de temps à Kailo, à Amélie. Nous avons un peu de temps à Amélie. Nous avons un peu de temps à Amélie. Si Koyo, l'homme qui a plus de pression, c'est le président. Il était le chouchou de la communauté internationale. L'on va vite. Camarade Nabisson. Justice belge a lancé le mandat contre Koyo et Anadémia, général Christian. La maman va chez lui. Balancé les émines. Oui. Kassidika Mombe Zani, et sa politique, elle te dit. Il y a un accord. Il n'y a pas de ministre au pire de ministre. Famille qui ministre, c'est dans commenté. Et puis à promettre, on dirait que c'est calme. C'est président. Et puis, on va beaucoup mieux pour ça. Côté mon bandit, on a un grand frère qui a respecté. On a un peu de temps, on a un peu de temps. Je ne sais pas si on a un délai. Je ne sais pas si on a un délai. Mais tu fais mon président de la nomination, Christian. R.A.K. sont les propriétaires. Ce qui peut être l'école à la chaîne, il y a un mot pour la présenter. R.A.S.U. Christian, c'est le nom. Et le baïté, même si c'est là, nous avons un mot des jours, dès qu'il a. Christian appelle son frère Jacques pour avoir un chef à sécurité intérieure. Il lui dit le bien homme, tu n'as pas besoin de sa chaîne, que nous sommes là. Il va bien que nous sommes là. C'est comme une aventure. Ça ne va pas que j'ai dit, à où tu peux se faire soigner, problème à cœur. Et la zone tamburane, elle va m'exprimer une manière. D'ailleurs, elle va interpeller. Mais elle va seulement amener une malade, qui est une grande dame, on va se faire un peu de temps, là, c'est respiration. Mais c'est l'année, et là, on va se faire un peu de temps. Mais elle va se faire un peu de temps, elle va se faire un peu de temps, elle va se faire un peu de temps. Atteindre le président sud-africain. Il y a qui m'a dit, à cause de sa malade à Kenda. Elle va salir les misères les plus abîmants à Kenda. Donc, elle va remonter. Donc, ah, ils ont dit, si vous m'avez dit, je suis en Belge. Il y a le général Christian Barrière dans la Belge. Christian Tshisekedi dans la Belge. Jacques Tshisekedi dans la Belge. Ce que le président s'est rendu compte, que la vérité ramène vers sa famille propre. Voilà. Audio Bouti Kolanda, Balobi, source Nango, et Utake pa Modero Simba. Il affirme dans cet audio-là que le jeune frère du président de la République serait à la base Yaliwa ya Chérubin Okende. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'audio. Oyo Ezali Kosukile. Mais la justice, pendant tout ce temps, a traîné pour prendre le corps, remettre à la disposition, mettre le corps à la disposition de la famille pour enterrer Chérubin Okende. Bon, yo moutou, osako détenir vérité. To yebite, yo moutou, yebisaki yo que responsable ya service ya renseignement, ya demiap, azwa ki lettre a komeli président sud-africain. Donc, a longwe awa, awa ya mounaki moutou, azana confiance, te o ya kouraye koupe sa lettre. Donc, à sali note technique, il y a service, il y a renseignement, pour nous informer le président sud-africain. On sait qu'il y a de la manipulation dans ses propos, mais
C'est comme ça que les gens font l'opposition. Il faut qu'on cause à Makambu, il faut qu'on fabrique. Notre Wana, Oyo Basala qui a un air, notre Oye Kanisi Stani Boujakera, il y a des gens qui ont confirmé qu'ils ont notre Yasolo et Outakina service à renseignement. Qui est à la base de cette manipulation? Devons-nous nous baser sur les mensonges pour établir une vérité? Nous avons eu battu. On le dit très bien. On le dit à Silicia, on le dit non. Bazalaki n'a fait rien à Lupango. Lupango, Bazalaki, qui est là. Est-ce que pourquoi Yoko Kayeko Kene, la justice était au lobby Nayoki? Parce que la justice cherchait des traces pour savoir la vérité. Yoko Loza témoin. Ok. Justice, si quoi est Bengio, Ogende Golaxabiso, Yoko la Yoza témoin. Yoko Laxabiso, comment ça s'est fait? Parce que Ozana ba vérité, Bélé. Oyo même famille yébite. Oyo justice, Ezako yébate, mais Oyo yo yébi. Mbokanabiso Congo, tu es ba cavalier. Hein? Responsabilité à témoigner. Malobanayo, pour justice, Nabiso est allé malade, bien sûr. Mais justice, Nabiso peut y avoir kanga kabakaba. Bakabakaba baza en prison, bien que Bango baza ba faible par rapport à Batoussous au justice et Zabotika. Mais la même justice a mis les mains sur certains criminels qui sont aujourd'hui en prison. Donc la même justice nous est utile aussi pour quelque chose. Yo, Monique démarche, Nabiso est malade. Mais Mango na justice. Noté, responsable, wana et justice, tenant ni service à renseignement, atindelaki président, lettre wana, akikope sango, bape sango na président sud-africain, après akimi na ye, azako mona na lisusute. Partout, on cherche à salir l'opposition congolaise, ceux qui se disent opposants au moins, parce que nous autres, nous avons déjà les conclusions de par nos analyses qu'au Congo, il n'y a pas une opposition sérieuse. On a des opposants des noms. Les opposants ont trouvé un point de repère pour faire leur opposition. Parce que l'absence, il y a qu'on a un thème, qu'on a un sujet, qu'on a une rhétorique. Pour qu'on convaincre les Congolais qu'ils vont rejoindre l'opposition, il faut inventer des sujets. Et là, on s'accroche à la mort de Cheribo Okende. Tout le monde a dit Cheribo Okende a comment qui occasion permettre que Moïse Katumbi attambola na l'ambassade y a des pays occidentaux. Liwa ya Cheribo Okende, comment qui l'a passeport et la diplomatie na ye. Kotia wa bimia wa pour montrer que le régime de Félix Tshisekedi est le plus criminel, il est sanguinaire, le régime a Tshisekedi talama kambasali, nous ne voulons plus de tout ça. À la place de convaincre le peuple congolais, il a fallu marchander liwa ya mutu pour ezala loko l'occasion. Nous avons dit ça depuis longtemps. Bino batu boza ko fréquenter batu musu baza ko mibenga ba opposa alors que baza ba opposante. Ils sont des méthodes ya Kagame. Depuis Kalaba Rwanda bango moko baza ko loba, il y a des opposants au Congo qui sont avec nous. Bazal ba ko appliquer ba méthode ezala kana Rwanda. Ndenge Kagame sala ka soka zana pre ya ko luka sympathie ya communauté internationale, il va massacrer ses propres frères. A massacrer banane, a massacrer batuti. Aliazui yango a présenté yango na rhétorique ya génocide, na rhétorique ya stigmatisation. Voilà, FDLR, on est en train de massacrer les Tutsi. Yango iloko yotoza komona eza ko salema mingi et ko risquer salema lisusu se répéter na entourage ya Moïse Katumbi. Parce que faire tuer les gens et Zali, qu'on a un moyen de défense pour présenter à la communauté internationale que les crimes, le régime de Tshisekedi est dictatorial, voilà, il est en train de tuer. Il faut avoir des preuves. Ils ont organisé des marches avec des gens, Naba Mindouki. Bango moko bazo tirer ba balle na dip na bango. Balinga ba bomisa mwana moko ya mukiawa. Na kati ya marche. Non, le régime bazo tirer à bout pourtant sur bas. Pourquoi chercher des preuves? Parce que même Mundela ngobino bokende ko funda Tshisekedi po ba abandonner régime à Tshisekedi, il faut pe ba preuves ala sur lesquelles ba faut ba s'appuyer. Aujourd'hui les médias occidentaux et ceux qui s'appellent opposants au Congo sont obligés d'inventer des preuves, trouver même makambo ezo salema na ba pays occidentaux oya a ko incriminer nango ba que régime oyo ezo comme de plus en plus dictatorial. C'est un peu quelque part comme chercher des poux dans la tête d'un chauve. Nous l'avons dit,
bato baza ko mitunda modelo simba siko bakangie pona nini. OK, justice est prévenant ki biso ba yebisa ki biso na procureur wana azala mabe azala na ba antécédent na ye tant que nous autres nous n'avons pas de preuve muto ya ki à l'encontre ya makambo wana c'est que azala ba élément information ake ne ko pesa ngona justice. Qu'il soit retenu à la DEMIAP, il doit donner les informations et permettre que la justice à approfondir les sources de l'enquête. Ce qui ma conclusion et enquête est satisfaisante, on peut ouvrir encore une autre parenthèse pour mener d'autres enquêtes sur base de la révélation naïe, tout peu d'information que vous n'avez pas naïe. Oh, et comme je suis régime à terre, oh, et comme régime à boy. Nous l'avons dit. Tout ce qui si awa na Stani Boujakera ndeko boza ko mona na photo azali bomate ezama ndefu synonyme ya batu oyo badumaka na prison na Congo batu soki bakoti prison babosa na kasuki babosa na kamandefu. Bon, c'est un peu comme dans autres prisons aussi dans le monde. Donc wana tina suki ezala kate tina mandefu ezala kate. Mais na zone élément moko très particulier et retenir ngai na libération ya Stani Boujakera. Tchamala, ce qui est Woutiwap, Boujakera, ce qui est Woutiwap. La famille est très contente. Tout le monde est famille, mon bimbe Sepeli, Ndekwa Bimi. En tout cas, ma journaliste est belé, Bazali, pour se réjouir dans la décision, wana, l'implication des chefs de l'État, les autres disent que c'est la pression. La question qu'on se pose, justice congolaise, et la justice moko, et que vous allez façonner dans ma pression. Tu es dans la justice, moko, il faut et ça la rappelle nous ça dans mon dernier segment. Nous avons vu ce qui s'est passé dans les médias. RFI, France 24, TV5, les déclarations des ambassades, il y a ma pays, il y a l'Union européenne, États-Unis pour un journaliste. J'ai eu de la manger avec cette information. Quelle est la valeur de ces journalistes? C'est vrai, Aza vraiment journaliste, Asala Kamusala Malam, selon Bango. Mais pourquoi un seul journaliste peut avoir une telle valeur? Donc, à l'équipe Bissonion, on va congoler la valeur. Bangonde Bazana, Bako Yoka Kinga, Leloba Bouminga, Bako Lobate, déclaration que ça le maté. Mais pourquoi Stani Boujakera? La fois passée, il y a eu une marche en France. Des journalistes ont marché. Naba banderole, naba pancarte, avec. Bah mituka ngoba benga kango ndenge nini ba terme zo ki manga mituka oyoyo avec ba vidéo lancer tout ça comment on appelle terme kimi oyoyaka baza kotambola bazo marcher pour na libération à Stani Boujakera. Ces journalistes là ba français wana ba marcher pour na libération à Stani Boujakera batikala jamais ko bimisa même énergie pour ce qui se passe à l'est du Congo. Les Congolais sont massacrés. On ne voit pas l'engouement de blanc. Batouane, Belen, Dengue, Tumoni, Bango, Bazako marché, Bazo manifesté pour dire ça suffit. Ce qui se passe à l'est du Congo est oublié. Voilà, nous sommes obligés de le dire chaque jour. Ils ne le font pas, mais ils le font pour Stani Boujakera. Pourquoi? Ah, voilà, le boulot des nègres. Les nègres des services sont toujours défendus à l'Occident. L'Occident, à travers le néocolonialisme, a trouvé bon d'utiliser certains de nos frères. Nous sommes aussi qui colonisent, indépendance, indépendance pour la plupart truquée, c'est le néocolonialisme. C'est-à-dire, ils vont encore nous continuer à nous coloniser, nous allons continuer à être esclaves via nos frères. C'est-à-dire, cette fois-ci, c'est nos frères qui vont nous faire souffrir. Les journalistes comme Stani Boujakera, ce sont des journalistes avec un statut particulier à l'international. C'est-à-dire, les questions qu'on se pose, c'est un journaliste pour l'intérêt des Congolais ou c'est un journaliste pour les intérêts des Occidentaux? Franchement, ça doit nous pousser, nous Congolais, nous Africains, à réfléchir. Les journalistes payés par RFI, France 24, TV5, Monde, ne sont pas des journalistes pour vous. C'est nous qui devons nous poser des questions. Pourquoi la France doit mettre autant de moyens pour nous informer, nous, Africains? Est-ce pour notre intérêt? Il y a d'autres journalistes qui en parlent aussi sur la question que nous devons nous poser, nous, en tant qu'Africains. Jusqu'à quand nous allons continuer à être informés par des médias de l'extérieur? Ils ne le font jamais pour notre intérêt. Voilà la preuve.
Sani Boujakera, son procès, Fristrani, on a vu partout, nous étions inondés par les messages des journalistes français, européens, à travers le monde. Ils ont même mobilisé certains Africains, les autres nègres de service, pour dire libérer Sani Boujakera. Oui, c'est un humain, il a besoin de soutien. Et comme le dit le président de la République, de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, il peut être innocent, il a souffert peut-être d'une justice malade, comme le président l'a bien, si bien dit. Mais pourquoi Stradi? Pourquoi pas les autres Congolais? Pourquoi pas les enfants, les femmes qui sont violées, massacrées chaque jour? Les Congolais, ceux qui ont compris la moté, nous allons continuer à avoir toujours une radio à côté pour écouter. Il est 7h, Radio France Internationale, au lundi, après vous venez faire des débats de caniveaux. Pourquoi? Parce que nous continuons à être colonisés, surtout dans les médias, dans l'imaginaire des Africains, surtout l'Afrique francophone. Les Congolais que nous sommes, nous consommons, nous faisons les débats sur base de l'orientation de l'Occident. La France oriente les débats d'opinion en République démocratique du Congo à travers ces médias. Et nous, nous pensons que c'est très professionnel qu'il faut suivre ça chaque matin, et pourtant ça désoriente les débats. Au lieu que nous réfléchissions en africain, que nous puissions apporter nos solutions. Comme étant des Africains, nous réfléchissons en français pour apporter des solutions aux problèmes africains et congolais. J'aime bien mélanger le lingala et le français. Les autres veulent que l'émission soit en français. Les autres veulent que l'émission soit en lingala, motonyon soit yokaka. Moi, je préfère que ça soit en lingala. Bande kona biso nyon soba yokaka po. Motoyo, aza horaire na français, aza ko détesté français milai, ayoka pe que ni neza ko komela la mboka na biso. Landa ba radio ya mboka na biso, na kokoso nango. Tika ko pesa intérêt na ba radio ya bapaya, na ba télévision ya bapaya, e komeme la biso eloko mokote. Ba opérateur économique congolais, les médias, ça paye. Vous pouvez investir dans les médias en tout professionnalisme, créer, former des journalistes professionnels. Oh, bah, ça, la Moussala, le la RFI, le la France 24, ça va nous aider à la décolonisation. Donc, on va continuer, on gagne. Frani, des fois, il y a des sujets sur lesquels nous faisons des débats alors que ça n'a pas intérêt à nous sauter. On ne pouvait pas faire de ça un débat si nous étions informés par nos propres médias. Émission est commis, Nasuka, Sali Boujakera libéré, pression ou les alliés, intervention à président de la République. Nous pensions que c'est une pression internationale et qui a fini par déboucher par. Moutema Malamu, Yamawa, ya président de la République. Mais si la justice congolaise devrait continuer à fonctionner sur base de la pression, de la clémence et du pitié, malheur à nous parce que ça ne changera pas. Émission est commis na souka. Natoni bino botoni ndenge bolanda ki ngo pesa na boke binyonso. Merci na ba o nyonso bozali ko commenter. Merci na bino batu boza ko liker pe ko partager émission oyo. Ndenge komi na suka, na tondi bino penda botondi ba inyonso, bolandi biso na France, na Allemagne, na Bukavu, na Goma, bolandi biso na Lubefu, na Sankuru, bolandi biso kuna na Loja, na Katakokombe, bolandi biso na Mbujimayi, na Kananga, bolandi biso na Ngandanjika, bolandi biso na Mwene Ditu, bolandi biso na Miabi, bandeko inyonso bolandi biso na Grand Equateur, na pesi bino mbote balosako na bino ebele. Merci à la bande de Konyon Sobolandi Bisson, espace Plan Katanga, la Grand Kivu, province orientale, Bolandi Bisson, la Grand Bandundu, la Congo centrale, la Kinshasa et toutes les autres provinces et partout à travers la République démocratique du Congo. Bon, continuez pour partager l'émission Debout Congolais, bon, continuez pour faire sa force dans l'émission Oyo présentée par Samba Olonga. Merci Nande Kombi à chaque Azalaki Nassima Kamera, le Kwana Mounesano. Po émission Oyo Ekomela Bino, Matondo Mingi, Napotre Gérard Kabeya Tchovo, Asa Kamso Malam, pour cette émission Oyo Ekomela Bino. Également, merci à l'homme de la vérité des urnes, Jean-Louis Timbalanga, Papa Boniface Mpunga, Papa Michel Lumakasso, Papa Freddy Ngwama, Papa Maurice Kikangala,
Papa Freddy Ngwama, merci à Papa Jeff depuis l'Autriche et tous ceux qui adorent Samba Olonga, Maman Bilbilonda, Maman Lisette Mumbendou, Maman Anima Samba, Bato Nyonsoyo, Bolingaka, émission Debout Congolais, le Roland de Kouapa, Chabora, na Hollande, na Pesiombote Mingi, de Copolin, Chika depuis la France et toutes les autres personnes ici en République démocratique du Congo. En tout cas, merci Nabino. Tout ce qu'on a dans mon na bolingo, émission, et ce qui est là, on se retrouve prochainement dans l'émission Moussous.